Everything's good. Salut les gars, bienvenue sur Ibra TV. Aujourd'hui, il y a une surprise qui vous attend car il y a une personne dans mon équipe qui tout le monde m'énerve, même moi il m'énerve. Et croyez-moi, aujourd'hui, il va en morfler un petit peu. Donc regardez bien et sinon profitez-en de ce nouveau YFC et prenez l'émotion. Vous connaissez tous Sambiev les gars, vous êtes bien d'accord? Tout le monde a la haine, non, un petit peu parce que tu parles beaucoup. Mais moi, je dis aujourd'hui, je vais pas te laisser échapper. Les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire une minute de boxe avec lui parce qu'il parle trop et tout le monde a envie de le voir battre? Est-ce qu'il y a quelqu'un à peu près même pas que lui? Une minute de boxe contre Sambiev parce qu'il parle beaucoup. Toi? Avec un pantalon comme ça, t'es sûr? Ok, je protège donc, bon, je vais donner. Parce que les gars, il parle, je dis vas-y. Par contre, les gars, regardez, s'il fait un truc bien, s'il gagne ou je sais pas, tu vois, abonnez-vous sur son Instagram. Je pense que là, il mérite parce que normalement, il peut même pas accepter là, une minute de. Je vous attends là, Sambiev, n'hésitez pas à venir. On est ensemble, les gars. Ça fait des années que c'est sûr que c'est là. C'est un gars, il avait rien prévu, c'est lui, il a eu le combat contre moi. Alors, ceux qui me lancent des défis sur TikTok, tout ça, continuez, les gars. Continuez. Quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, je vais finir par vous répondre. On se retrouvera ici. Toi, tu m'as fait un guet avant, frérot. J'ai la preuve. Attends, mais je l'ai fait pour tous les autres parce qu'ils disent ouais, Sambiev, je peux pas le voir. Les gars, ça prouve qu'il vous aime. Vous inquiétez pas, on va faire les choses. Et je pense que lui, c'est l'un des mecs qui veut te taper dans les commentaires que tu reçois. Ouais, c'est un... Je l'imaginais comme ça en plus avec des lunettes. Vas-y, enlève les micros. Comme vous savez, j'avais l'habitude de parler sur les gens qui étaient pas là. Maintenant, je peux pas dire. Maintenant, il va faire. Vas-y, moi aussi, je vais me préparer. Non, 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 on s'échauffe rien du tout. On envoie là tout de suite, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Bon les gars, je me permets de vous dire, ça fait 10 mois, je n'ai pas touché une seule fois les gants. Je suis blessé, ceux qui ne savent pas, j'ai une hernie cervicale. Donc j'ai des gros problèmes de santé. Mais bon, c'est pas une excuse. Cervicale, pas cervicale. Eh, les gars, regardez quand même. Ils sont 14 000 là, ils sont tous partis là-bas pour le supporter. Bon, autour de moi, il n'y a pas grand monde. Mais bon. Moi, je suis là. Attends. Tant que t'es là, c'est bon, attends. Mon ref. Je te mets dans la sauce, mais c'est pour ton bien et je suis là. Ils ont beau être 14, t'inquiète pas, on est là. Moi, je tiens pour l'autre aussi. Moi je suis venu pour voir. Au final on est là, il propose un AVA en boxe, moi j'accepte contre tout le monde. Moi si c'est pas intense, moi je dis pourquoi je dis une minute pour que ça soit intense. Si c'est pas intense, je rajoute encore une minute. Et une minute si c'est intense et si je vois qu'ils sont là, ils font. Deux minutes. Younes, merci d'avoir déjà. C'était pas prévu les gars, je vous dis, il savait pas du tout qu'il allait faire un combat. Et surtout Sambiev. Je sais que vous avez envie qu'il fasse quand même. Je dis, vas-y, fais une minute, là au moins. Si à la fin je finis comme ça, tétraplégique, frérot, ramène-moi à l'hôpital. Hein. C'était même pas cru. Il est encore en jean en plus, il est en jean, Sambiev. En fait, c'est ça, quand ça parle à bout d'un moment, c'est surtout, ça. Ouais, j'ai fait mes 3 infiltrations, il y avait l'opération de prévention. Je préfère le dire avant parce qu'avant on va me dire, je sais pas quoi. Est-ce que c'est que de la boxe hein? Que de la boxe. Juste, vu que t'as les trucs cervicales, rentre bien la tête, fais pas comme ça, ok? Enfin les gars, j'ai fait ça, enfin! Il n'a pas le choix aujourd'hui de recombattre. Oh! Il rigole pas, c'est bon, attendez les gars, c'est pas commencé encore. Moi c'est bon. Je stresse. Mais c'est comme ça que je mettais mon petit frère aussi dans la merde, comme ça, c'est pareil pour lui. Allez, c'est parti, voilà. Une minute! Let's go! Une minute! Oh! Putain, il est bien Sambiev! Sambiev, il est bien! Une minute, 50 secondes! 50 secondes. Wouah! 40 secondes! La garde, Sambiev, la garde, monte tes bras, Sambiev, monte tes bras, Sambiev, 30 secondes, monte tes bras, Sambiev. Oh! 20 secondes. Oh! 10 secondes. Pas mal, Sambiev, franchement, pas mal. Pas mal, Sambiev. 5 secondes. Top. Oh, bravo, les gars, bravo. Oh là, c'était très intense. Ah ouais!
Putain, bravo. Ah ouais, t'as montré la classe. Tu m'as fait peur un petit peu. Moi, il était là comme ça. Franchement, ouais. Il a représenté. Du cinéma, ça. Du cinéma. Merci beaucoup d'avoir donné cette possibilité qu'il fasse la boxe parce que tu sais, il parlait donc je voulais lui faire un petit coup de pression. T'as aimé ce nom ? Ouais, c'était bien. Pas mal, hein ? Franchement, pas mal. Donc Sambiev, tu vois, enfin je te mets un peu dans la merde pour que tu comprends un petit peu. Parler c'est bien, mais. Non, c'est une bonne merde. C'est une bonne merde, hein ? Je sais, une fois que tu es dedans, t'aimes pas parce que ça peut la merde, mais une fois que t'es en sortie, t'es content. Non, mais non, j'étais bien, j'entendais. Bon, je vous le cache pas, juste niveau endurance, c'est tout. Mais après, je me sens bien, les gars, vous inquiétez pas. Tout ce qui parle, tout ce qui sait pas quoi, je vous nique tous, les gars. Je vous le dis. L'histoire, elle est réglée. Tu vois ce que je veux dire ? On me dit, t'as garde. C'est tranquille, c'est léger, ça, les gars. Bon. C'est léger. Je pense qu'il mérite. Y'a qui à provoquer là ? Pascal le grand frère peut-être ? Il est devenu youtubeur, tout ça. Non mais... Frérot, la télé voulait pas de toi. T'es venu sur YouTube avec des petits, tout ça. Et tu bois une chip là, attends. Genre, tu réponds pas, tu vas voir Greg MMA, etc. Tu fais de la boxe pourquoi ? Viens. T'attends quoi, mec ? Viens, frérot, viens. Moi, je vais te régler. En tout cas, je vous ai libéré un petit peu cette envie qui se tabasse pendant une minute. C'était pas prévu, donc je pouvais pas faire non plus un combat de longue haleine. Mais en tout cas, je pense qu'il a mérité que vous abonnez sur son Instagram. Je vous attends, les gars, en réalité. On Et est ensemble. Younes, viens ici. Merci content. D'avoir été volontaire parce que c'était pas du tout prévu. Non. Voilà. C'est pas du tout prévu. Ouais. Et ouais, c'est bien, t'as du courage. Ouais, c'est bien, t'es venu et tout. Ouais. Et ça t'a donné ce petit combat de 1 minute, c'était ouais, pas mal. Ouais, c'est une petite minute comme ça, tranquille. Donc, on passe au prochain combat, les gars. C'est parti. Les gars, là on a le cher Hamza qui est là depuis un moment déjà contre Anas qui a l'air un profil d'un combattant assez bon, donc je pense que ça va donner un beau combat. D'un côté on a un bagarreur, de l'autre côté on a je pense plus un technicien, on n'a jamais vu combattre encore, on verra. Bon, bon courage à vous les gars. C'est parti. Je pense que Anas va partir dans les jambes, je sais pas pourquoi. Ouais, oreille cassée, tout ça, ouais. Ouais. Je pense que s'il reste debout, Hamza il peut prendre cher. Enfin, je veux dire au contraire. Hamza, je pense qu'il est bien s'il reste debout. Parce que Hamza, tu sais, c'est un bagarreur, donc les coups, c'est pas quelque chose qu'il a peur. Mais par contre, si Anas il rentre dans les jambes, ça peut être chaud. Ouais, c'est vrai, parce que jusqu'ici, Hamza il combattait contre des gens. Ouais. Debout, c'est ça. Jamais au sol. Voilà, donc au sol, il peut être dans une difficulté. Je me rappelle, lors de son premier combat, c'était le grand frère Hamza. Ibrahim qui avait combattu contre lui, qui l'avait mis 3. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais en fait, ce que je kiffe chez Hamza, c'est son courage, comme il avance, tu vois, qu'il n'a pas peur, il a pas à se toucher, et ça, je kiffe. Tu vois, il n'a pas forcément une technique de fou, il a quand même pris des... Par exemple, ton frère aussi, il a gagné, tu vois, mais c'est son courage, quand il prend des coups, il avance, je kiffe trop Hamza pour ça, tu vois, pour son courage. C'est le fait d'aller jusqu'au bout. Après, j'aime bien le profil de... Ah oui, Anaïs, oui, bien, j'aime Anas. Beaucoup. Anas, ouais, j'aime beaucoup parce que c'est un profil d'un combattant pur de MMA. Exactement. Tu vois. Alors que Hamza, c'est plus rue. Il fait penser un peu à Abdeslam. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as vu ou pas ? C'est vrai, un petit côté Abdeslam, ouais. Abdeslam, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, les gars. Ouais, c'est vrai, la bonne. Gaëtan donne bon conseil parce qu'il a touché une ou deux fois dans la jambe devant. Hamza, il est mis en difficulté quand même. Hein, Hamza, quand il prend des coups, il faut savoir qu'il savoure. Il savoure et il a encore plus d'énergie quand il prend des coups, Hamza, il faut savoir. Si tu vois, ça c'est très bon conseil qu'il a donné Gaëtan, la jambe avant, et elle touche encore une fois, et la jambe va éteindre. La jambe va éteindre, Naïs, tu vas voir. Encore ouais. Une fois, ce genre. Donc il appuie sur l'interrupteur, ouais. Voilà. Encore une fois sur ses jambes, tu vas voir que Naïs va pouvoir s'appuyer dessus. Très beau enchaînement. J'ai l'impression qu'Anas il a envie de mettre son coup de genou en fait, hein, quand même. Ouais, depuis ouais, le début. Envie, ouais, envie, ouais. Mais c'est bizarre, t'as vu, il est pas allé dans les jambes. Hein. Il est ouais, pas allé vrai. Au sol. Pourtant. Peut-être qu'il s'est dit c'est assez facile le debout. Ouais, ça doit. Ah, on a parlé, ça y est. On a parlé. Je pense qu'il nous a entendu. Je pense qu'il nous a entendu. Alors là, on va voir Hamza de quoi il est capable parce qu'on l'a jamais vu au sol. Hein. Non, mais pour moi, forcément, au sol, il a aucune arme. Parce que c'est pas quelque chose qu'il travaille. Enfin, il a travaillé dernièrement. Parce que, tu sais, son dernier combat, il était dans la même position. Il a dit, ouais, je travaille un peu mon sol. Donc, il a travaillé, c'est sûr.
Mais je pense pas que c'est aussi performant que en tout cas, il faudrait qu'il résiste parce qu'il reste 25 secondes. Là, il y a soumission. C'est là, tu vois le côté de la NAS professionnelle qui s'entraîne dans un club, etc. C'est ça la différence entre un bagarreur et quelqu'un qui s'entraîne. Parce que bagarre, c'est bien première minute, on va dire, si tu rentres dedans. Mais un mec. 10 secondes 10 secondes J'ai quand même envie de voir 4, la deuxième partie. 3 Top. Très très beau combat. Pour ma part, je pense qu'Anas il domine pour le pour l'instant, numéro, ouais. Mais pour l'instant, ouais. Rien n'est fini. Hein. Look, I'm trying to get the millie from dead eye. Need to do it before I start a Z line and get mine. But any means don't make me cross the red line. Can't take time. This is bust down. They trying to take shine. But I'm lying. Just know you brothers will respect mine. Ain't no student pass when brothers try to test mine. Et aussi, j'aimerais bien dire merci à Belayer qui m'a permis d'avoir la belle barbe. Et aussi, j'ai ramené Jam pour combler un petit peu sa début de calvitie. Comme vous pouvez voir sur les images avant. Et maintenant, il y a une grande différence. Donc, si vous avez des complexes de calvitie ou bien la barbe, n'hésitez pas à faire un tour chez Belayer. La preuve de confiance, c'est que je suis passé par là moi-même. Aussi, j'ai ramené Jam. Vous pouvez voir d'autres résultats sur d'autres patients sur leur Snapchat qui s'affiche sur l'écran. Ou bien prenez rendez-vous dès maintenant. Votre devis personnel avec le numéro WhatsApp qui s'affiche là. C'est parti. C'est ce qu'il a dit, moi, tu vois. Naïs, franchement, Anas. Pourquoi je dis Naïs? Anas. Ah, bien tenté. C'est parti dans le vide. T'as vu Anas? Ouais. Tu vois? Ah, voilà. Ouais, il a compris la technique, il a compris que Hamza il a rien. Il a compris, ça. C'est ce qu'il faut qu'il fasse pour gagner. Parce que s'il reste dans le domaine de Hamza, enfin dans le domaine où il est fort, que potentiellement il pourrait perdre. Ouais, mais là on va voir que Hamza il va tout donner. Essaye de tourner. Et là pour sortir franchement ça m'étonnerait que Hamza il sorte facilement. Ouais. Parce que regarde. Il le colle comme Voilà tourne. Comme pas possible. Où c'est que tes jambes? Il faut se relever Hamza. Et pourquoi Hamza. Pourquoi pas le coup? Relève-toi avec tes jambes. Tu vois Hamza il a pas vraiment de notion, il est pas armé pour pouvoir sortir de là. Jambe gauche. Vas-y pose avec tes jambes. Maxence. T'as la glace? Pousse avec tes jambes. Je croyais que c'était une balle qui avait poussé sur son oeil. Ouais. Voilà, protège-toi et pousse avec tes jambes. Ouais. Pousse avec tes jambes. Ah. Non, travaille, Anas. Hamza, il abandonne pas, regarde. Là, on dirait qu'il prend plaisir. Hein. Allez, Hamza, pousse. Non, je pense pas. Si, il prend plaisir. Ah ouais? Ah ouais, moi je pense qu'il prend plaisir. Moi, quand je prends des coups dans le combat, je prends plaisir, je sais pas, ça me anime. Bah moi, en tout cas, je tiens à te dire merci de m'avoir mis dans cette sauce-là parce que franchement, j'ai bien aimé. Je sais que sur le coup, on n'aime pas, mais une fois que tu as surpassé. Non, même sur le coup, je trouve que je me suis bien amusé. J'ai pu montrer à certaines personnes que je suis pas là que pour parler. C'est vrai que ça se voyait que tu t'amusais bien. Ouais. C'est vrai que tu t'amusais bien. C'est un jeu d'enfant. Par contre, tu sais qu'est-ce qui me fait mal? Ouais. Naïs, c'est ça? Anas, il a pied en dessous, frotté, et ça, ce qui touche. Ça fait là, mal. Ça brûle. Ah, ça brûle. Ça va brûler juste, surtout après. Voilà, tourne, exactement. Voilà, là, c'est dangereux. Clé de bras. On a rarement vu ça en. Ouais c'est vrai. On en a vu. Non, en YFC. On en a vu. On en a vu une qui est. Qui a mal fini même. Qui, voilà, un mec qui voulait aider monter, et ça a fait le tour quand même. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Bah, on a vu, il y en a un qui s'est cassé le bras aussi. Ah oui, YFC officiel qu'on avait fait dans un octogone. Ouais, il y a un qui s'est cassé le bras. D'ailleurs, devenu champion d'Europe, je crois. Qui? Bah, celui qui s'est cassé le bras. Ah oui, bah, on avait dit, hein, il était très très bon. C'est ouais, regarde Hamza. Hamza, il est revenu. Revenons ouais, au combat. Ouais, c'est vrai que. De toute façon, ce qui démarque de Hamza par rapport aux autres combattants, la plupart en tout cas, c'est sa résistance. Sa résistance, ils sont envie d'avancer. Il n'y a pas à un moment donné, il va dire, ouais, vas-y, je vais m'en poser, reculer. Il reste 10 secondes. Ah, je pensais. 10 secondes, les gars. 10 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Top. Le temps aide quand même Hamza. Ouais, deux fois, ça l'a aidé à sortir dans une position un petit peu désavantageuse. Mais là, donc, le deuxième round, je trouve qu'il était beaucoup plus chiant pour Hamza parce qu'il est resté au sol du début jusqu'à la fin. Exactement.
Thank God that I can cover their checks, G. Even with black and white squares, brothers can't check me. It's fear that black man is head of the family. Protect my necks, they walk for nightmares. Demons won't see me sleep, I hear them creak. They all evil, trust me, they come like sheep. All the same, make you comfortable, they show us underneath. I'm used to going on cold when the climate is peak. Survival, try and fight fire with fire. Have brothers deceased, know the streets, know the message. Ton coach 8 ans, frérot. Ton coach il gagne 10 ans. Ah, tu coach il gagne 10 ans. Ah, piou moi je trouve. Tu regardes, c'est gym. Allez. Oh, allez. Tape fort, la jambe gauche. Je pense que Anas il va vouloir rester un peu debout quand même. Non. Parce qu'il a vu qu'il a gagné, il a gagné, il a gagné les deux premières rondes. Je pense qu'il va vouloir faire un beau combat. Ouais, regarde. Bah écoute. Je pense que son coach lui donne des bons conseils. Ah voilà, tu vois, non. Ouais. Ah ouais, c'était un. Ça a amené au sol très très loin. En plus, regarde sa jambe en dessous. Ah, ça me fait mal rien que de le voir. Tu vois, il y a des taches de sang. Ils sont forts quand même, un peu, comment ça, parce que moi. Clé de bras. Très très bien placé. Clé de bras ou c'était... Clé de bras. Ah ouais? Ouais. Ah j'ai pas vu. Il y avait l'épaule et le coude qui passaient là. Ah mais c'est pas clé de bras, c'est comme ça? Non, retournement comme ça. Got too much to lose for entertaining up the clowns them. Keep on acting lost, leave them brothers when we found them. Only difference is now... Vainqueur par soumission au troisième round. Anas. Allez, on applaudit les gars. Bien joué mec. Allez, on va donner la parole à Anas, le victorieux, par clé de bras. Ma discipline, j'imagine que vous avez pu remarquer, c'était la lutte. Et donc du coup, je voyais que c'était un bon guerrier, donc qui était solide debout. Je me suis dit, j'ai mon point fort, j'ai voulu faire le show. Essayer de rester debout pour faire le show devant les caméras, mettre des KO, etc. Mais bon, ça a pas abouti. Donc on a pris à la lutte, on a fait notre jeu, grappling. Et puis voilà, je remercie mon adversaire. Si j'ai un message à faire passer, si vous voulez, abonnez-vous à mon compte Instagram. N'oubliez pas nos frères et sœurs en Palestine et en Ouïghour qui se font opprimer. Donc faites des dons si vous pouvez. Même 1 euro, c'est beaucoup de choses pour eux. Donc sur mon compte Instagram, il y a la bio. Vous pouvez, ou ma charity, vous pouvez faire des dons. Merci à vous. En tout cas, on a très bien vu que tu étais un très bon lutteur. Et même debout, tu te débrouillais pas mal. Donc félicitations à vous, toi. Merci. Et n'hésitez pas à donner la force à tous les combattants. Abonnez-vous sur leur Instagram. Bah, bravo à mon adversaire. Il m'a mis, moi, mon game plan, c'était de le supprimer des appuis. C'est pour ça que je suis attaqué à la jambe avant. Avec mon coach, c'était ça. Bah, tout le début, ça devait marcher. Après, il a trouvé la bonne faille et il m'a amené au sol. Il avait une bonne anglaise aussi. Donc, franchement, bravo à lui. Et je suis désolé à mon équipe Giga Arena de ne pas avoir rapporté la victoire. Il m'a eu surtout avec le grappling. Bravo lui. Félicitations à toi. Merci. C'est pas pour aujourd'hui la victoire. Alors, on perd pas de temps. On va passer au prochain combat. Alors les gars, on va passer au prochain combat, MMA, Vini et Jordan. Je check, voilà. Allez mon Vini, tu prends bien la distance, voilà, très bien, exact. Lève tes mains, voilà, encore Vini. C'est encore, assez rude, hein. Encore. Encore Vini, encore. Allez, Vini. Je sens que là, le courage. Bah vas-y là. Maintenant tu gardes le contrôle. Tu restes là. C'est bien. Eh Vini, tu sais ce qu'il y a à faire maintenant. Marteau avec ta main droite. Marteau avec ta main droite. Reste dans le contrôle. Tu gardes le contrôle, tu restes là. Vini, tu vas m'écouter. Vini, tu m'écoutes. Claque-le par terre. Claque-le. Voilà. Encore la tête. Garde sa tête par terre. Allez Vini. Vini, tu gardes la tête par terre, s'il te plaît. Voilà, frappe. On sent beaucoup de tension hein, des deux côtés, mais surtout Vini qui est contracté de partout. Là, il a une très bonne Tu restes, tu gardes le contrôle, là, frérot, t'es bien non. Ici. Alors, ah oui. Ouh, très belle retournée de Jordan. Attends, on va enlever le t-shirt. Il a perdu une très bonne position de la montée, mais bon, ça okay. Arrive. Ok, Vini, tu fermes la garde direct. Hein. On ne pose pas bien, c'est honteux. Ferme ta garde. Ah bah voilà, il s'en sort Vini. Il faut qu'il fasse attention à l'étranglement. Vini, Jordan, il va aller à l'étranglement. Voilà, ah. Quel retournement de situation. Voilà, tu restes là. Voilà, encore. Prends la position, monte dessus. Voilà. Monte. Allez, merci. Voilà, hop. Alors Jordan qui répond. Garde le contrôle. Là, ce qu'il doit faire, garde le contrôle, frérot. De l'attraper ses bras et le serrer contre soi-même. Allez. Oui, Vini, encore. Encore. Hop. Alors là, Mathieu, il a décidé d'arrêter le combat. Ouais, parce que quand l'adversaire il défend l'aveuglement, c'est comme une abandon. Donc voilà.
c'est ça le... Ok, d'accord. Mais là, c'était bon combat, ils avaient tous les deux le courage, je te laisse aller. Un combat assez rapide, mais très dur. Très dur pour Jordan. En tout cas, Gaëtan nous avait prévenu hein, que Vini, c'était sa perle. Perle rare. Écoutez, voilà, bah, Vini, en fait, si vous voulez, c'est déjà une très belle ceinture noire de judo. Et c'est quelqu'un qui est profondément discipliné. C'est-à-dire que peu importe l'entraînement qu'il a, il arrive, il s'entraîne 5, 6, 7 fois avec moi par semaine. Grâce à toi, grâce à vous, ça lui donne le goût du premier combat. En plus, on avait un très bon adversaire, bravo. Hein, parce que non, et le renversement, c'était beau. Et on a assisté à un très beau combat, et je suis très fier de toi, mon frère. Bon, on va passer à la décision. Vainqueur par TKO, Vini. Félicitations, on applaudit les gars. Bravo. Alors les gars, on va donner la parole à Vini. Tout à l'heure, c'est son entraîneur qui a parlé. Moi, je parle pas beaucoup, donc je vais m'arrêter là. Bah, c'est clair, simple, net. Félicitations à toi, à la prochaine. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein. J'ai perdu. Mais ouais, j'ai fait 7-8 mois de K1, un petit peu de sol. Et bon, j'avais jamais fait de combat de MMA. On a senti que t'avais un peu plus d'expérience dans les techniques. Je suis quand même content d'être venu après. C'est principal, ça fait plaisir. Merci. Allez, félicitations quand même à toi. Merci. Et maintenant les gars, on va passer au troisième combat. C'est parti. Alors, celui qui est torse nu, c'est Yaya. Et face à lui... Youssef, ça commence très fort. Hein. Franchement, ça commence très fort. Ouais, c'est ça, casse les appuis. Ah, ça met beaucoup de coups de pied là. On a dit, tu casses les appuis. T'as ton micro qui marche, non? Ouais, normal. Jab, ouais, voilà, le laisse pas. Bien, coup de levée. Oui, oui. Oh, elle était pas mal, celle-là. C'est joli pour les caméras, mais casse-lui ça. Yaya, il a si j'ai bien compris, Youssef, c'est un. Il a ah, c'est boxeur en fait. L'année de taekwondo, il m'a dit. Okay. Je rappelle que Yaya est fait 3 kilos en plus que Youssef. Non. Pas d'agrippage. Ça envoie en tout cas. Mais j'ai l'impression que ça envoie, mais très léger. C'est pas violent en fait, en tout cas. Aussi, quand même, tu vois pas un bleu qu'il a sur le côté droit, Youssef? Oui, ça c'est le coup de pied qu'il a mis. Ouais. Voilà, tape la jambe encore. Non, moi je trouve que c'est quand même un petit peu. Ah oh, ouais, t'as vu la droite, il a failli passer. Hein. Oui, joli. Ouais, très très bas de balayage. C'est une seconde, tu peux gagner une seconde, tu peux bouger, mais c'est pas le droit de garder, de chercher une série. C'est parti. C'est exactement ça. Il ne peut plus la poser. Continue. Continue. Il la pose plus. Continue. Voilà. Encore. Bien. Attention. Ouais, continue. Magnifique. Casse ça, putain de jambe. Voilà. C'est très bien. Continue. Voilà. 10 secondes, les gars. 10 secondes. 10 secondes. Allez, 10. Non, voilà. Lève tes mains. Ça va ? Ok. Tu dois continuer. Intérieur. Voilà, mais regarde-moi.
Il est là, il est en garde, il est comme ça. Regarde, lève. Il est là, là. Hein, quand il fait ça. Ouais. Tu sautes, pam. En fait, tu l'agrippes pas. Tu fais ça, et tu rentres. Ça marche? Et c'est très bien, mec. Hein. T'as une belle boxe. I am trapped in the noise, move too quick, can't stop for the talking. I am trapped with the boys, man so tough, but mans keep walking, yeah. Dressed too sharp with the prize, white girls, better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Beg, please get on your knees, came from the jungle. C'est parti, go. Shadow. Voilà, très bien, 28 degrés. C'est des guerriers, donc... C'est dans l'aide là, c'est très bien. Ne mélange pas. Oui, ça c'est bien. Jab, jab, le jab, 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 jab. Voilà. Et après lance ta jambe. Et là après tu lances ta jambe. À l'intérieur. Elle était pas mal celle-là. Avec Yaya, il se repose. Et à un moment donné, il explose. Oui, joli. Ça a touché. On s'en fout de ça. Lève tes mains. Trois crochets maintenant. Trois tout court crochets. Voilà. Top. C'est bas. Direct sa jambe. Regarde, il l'enlève sa jambe. Continue. Oui. Voilà. Continue. Très bien. Continue. Oui. Attention sur les genoux. Top. Voilà. Oui, Youssef, vas-y, comme ça. Oui, c'est ça, continue. Très bien, bravo, super, continue. Tu vas qui mène, vas-y. Voilà, main droite. C'est pas passé. Là, on s'en fout, y'a rien, vas-y, continue. Voilà, laisse-moi dépenser sur l'énergie, c'est très bien. Et continue. Attends, ce que j'ai. Voilà. Y'a rien. Voilà, ça c'est ça que je veux voir. Exactement. Continue. Ouais. Encore. Encore. Crochet gauche et puis tu mets le kick jump arrière. Crochet gauche et kick jump arrière. Non. Ouais, c'est pas grave. Venez pas, allez pas vite, allez pas vite. Si tu vas être fatigué. On a pas le droit de saisir, on a dit. Ah oui, on Aïe. 50 secondes, KO. Ouais. Les gars. Voilà. Ah, c'est bien, continue. Respire. Fais ta pointe, mais mets une jambe. Oh, voilà. Recule, Youssef. Il avance. I'm trapped in the noise, can't stop for the talking. I am trapped with the boys, nice keep walking, yeah. Just too sharp with the prize, better tell me I'm awesome. Parti, Nous fais pas ça. Touche. C'est toi qui touche le plus. Continue à toucher. Pense au point. Voilà. Encore. Tu vas toucher aussi, Youssef. T'inquiète, tu vas toucher. Voilà, garde ton charme, respire. Alors, au début du combat, là, il a rien. Laisse-le. Voilà. Stop, lâche. Allez, Youssef. Respire.
Voilà. Bien, 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 bien. واحد اخر يا يحيى، واحد اخر، واحد اخر، واحد اخر. اه يا يحيى. واحد اخر يا يحيى، واحد اخر. اللي صار لي من اللي صار لي من. ولا ولا خلاص صافي يا 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 يحيى. Déclaré vainqueur par décision, Yaya. Salut ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Clément Club, le meilleur club d'Espagne. Et merci beaucoup. Tu nous viens d'où? D'Espagne? D'Espagne, d'Alicante. En tout cas, tu as fait un très beau combat. J'ai vu le coup de pied que tu as mis à ton adversaire. On a vu qu'il était sonné. Pourquoi tu l'as pas terminé? En fait, j'ai venu sans préparer. Je suis venu, t'as vu, j'ai une parole. Ouais. J'ai dit à Mathieu que je vais venir et je suis là. Je peux faire mieux, mieux que ça. En tout cas, pour la prochaine fois, prépare-toi parce que tu peux mettre des bons KO comme ça. Ouais. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Alors Youssef, félicitations. Merci. Résistant de fou. Je rappelle que Youssef fait 3 kilos de moins que Yaya. Bah écoute, on est venu, on a essayé de représenter. J'ai fait du mieux, respect à mon combattant. C'était un beau combat. À un moment donné, au troisième round, on a vu que tu étais sonné lorsqu'il t'a mis le coup de pied. Comment t'as fait pour résister à ça? C'est la rage, quoi. La rage de vaincre, malgré... Voilà, ça s'est joué un peu, je trouve, tu vois. Tous les coups, ils peuvent venir ici, tu vois. Je suis venu, moi et mes couilles. C'est vrai. Merci à ceux qui m'ont aidé. Un gros fuck à ceux qui ont refusé m'aider, par contre. Voilà, ils se reconnaîtront. Et je suis venu, je me suis battu. Bon, j'aurais voulu partir avec la victoire. Pour moi, la victoire, c'est que t'es déjà venu là. T'as participé, t'as eu des couilles. Ça, c'est la victoire déjà.